dans tous les acteurs de ce 32e qui débute à l'instant. Et vous venez de voir la première joueuse et la première boule de cette partie. Il s'agit de Mallory Lemoine. Elle est associée à Brandon Savoignan, évidemment, pour la région Pays de la Loire. Une joueuse qu'on ne présente plus, Philippe, Ah non, c'est vrai. qui arrive évidemment là sur le jeu. Mouna Béji, Oui. la pétanque des Canuts. Le comité du Rhône. Un palmarès énorme. Et elle commence très très bien sa partie. Hein. Ben, il y avait la place, elle en a Elle en a profité profité. tout de suite. Et puis son partenaire, Sonny Even. Bien, cette première, elle est tapée pour Brandon. Alors Brandon qu'on ne connaît pas énormément, mais qu'on entend beaucoup de bien de ce jeune joueur. Mouna qui est revenue tout de suite et on continue. Et ben, c'est sorti. Annulation de la main. Mallory qui va avoir l'occasion de se reprendre tout de suite, parce que sa première boule n'avait pas. Elle n'avait pas été bien, forcément bien jouée sa première boule, donc elle va pouvoir se rattraper tout de suite. Et ben voilà, c'est bien rectifié de suite. T'es pas. Et là, on va voir ben, Sonny Even démarrer sa partie aussi à son tour. C'est aussi tapé, mais ce sera à Mouna de jouer parce que les deux boules sont sorties du cadre.
C'est pas droit. D'accord. Il te connecte là-dessus. Il y a le mot de passe en dessous. Alors, il va falloir fermer la maison. Mallory qui va essayer de venir se coller au but ou à la boule. On est passé. Celle-ci est très bien jouée. Je sais pas si elle a gagné, mais ça y ressemble toujours. On a demandé à l'arbitre de mesurer, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc il faut patienter, hein, le bouchon du jeu d'à côté est venu dans le nôtre, donc malheureusement c'était le début de la main en plus, donc il faut quelques minutes de patience. Formation qualifiée donc pour les 32e de finale, la formation de Haute-Corse, Julie-Marie Giacomoni et Albert Antonelli. Pas couvert.
conditions climatiques qui vraiment ne nous arrangent pas parce que un gros orage se prépare, ce qui fait que évidemment pour la connexion satellite, eh ben vous le constatez, c'est vraiment pas terrible. Ça va pas nous simplifier la tâche, on espère que vous comprendrez. Un petit point marqué tout à l'heure par le Rhône sur le contre qui a été subi par Brandon. Cette première s'est un peu dérobée à droite de Mouna. Sonny Even qui n'a pas très bien démarré sa partie au tir pour l'instant. Il va essayer de se rattraper. C'est fait. C'est repris, mais de justesse. Bien tiré. Eh bien, c'est encore repris. Sonny a rencontré la boule de son adversaire. C'est un peu long. On laisse deux boules dans les mains de l'équipe de la Mayenne pour essayer de rajouter et de passer devant en ce début de partie. Et Mallory bravo.
Et bien ça fera 2. Et on attaque la quatrième main. 2-1 en faveur de la Mayenne. Plus précisément, c'est une qualification régionale Pays de la Loire. Bien joué, Mouna. C'est poussé. Elle est peut-être rentrée à 2, oui. Nouvelle partie des 32e de finale que nous allons jouer sur terrain 51, la formation Tarbes de Sandra Bonour et Théo Erger face à la formation du comité de Paris de Shoaib Maga et Michel Cornet de Saint-Cyr. Allez, messieurs les délégués, vos fiches de jeu, merci.
Allez, il reste 3 boules dans les mains de Sony. Il n'est pas facile à reprendre le point. Soit il tire maintenant pour essayer de faire quelque chose, que le but bouge ou qu'il se passe quelque chose, ou s'il commence à pointer, à mon avis, eh bien on va pointer. Ça va être dur de rajouter. J'ai l'impression qu'il ait gagné le point. Oui, il est dehors. Là, il est gagné. Allez, dernière. Alors, verdict, il y en a 4. On continue. Nouvelle partie donc de 32e de finale. Nous allons retrouver la Lozère de Fabien Chaput et Dylan Carterade face à la formation du Lot de Chloé Born et Lucas Fouillat. Voilà, cette partie se jouera terrain 1. Allez, donc le délégué de la Lozère, s'il vous plaît, merci. Alors, il y a encore une boule à jouer, une boule à 3. Alors, on fait le mieux possible en raison des conditions climatiques pour vous faire vivre ces parties en direct. Il y a un gros orage qui est annoncé, le ciel qui est vraiment, vraiment noir. Évidemment, il y aura interruption de compétition si ça met évidemment public et participants en danger. Ça y est, il y a quelques gouttes qui arrivent.
Eh bien, 3 points supplémentaires pour l'équipe du Rhône qui mène 8 à 2 maintenant. Nouvelle partie des 32e de finale. Belle boule de 19, la formation de Maine-et-Loire, réalisée par Randy et Romain Simon face à la formation des Sangliers des Ardennes de Mélanie Guimarès Fernandez et Romain Barre. Et là pour l'instant Brandon n'est pas au mieux là. Il a manqué la main d'avant. Et là, il fait manquer avec cette première. Allez, donc le délégué, s'il vous plaît, de la Maine-et-Loire. Merci. Allez, nouvelle formation qualifiée donc pour les 32e de finale. La formation du barin de Laetitia Hirsch et Fabrice Hirsch, pas couvert. Et maintenant, on va défendre cette boule. Voilà. Bien tiré. C'est bien gagné. Ah oui, Mouna fait une grosse partie là. Elle fait ce qu'il faut. Et le score, ben, on est là, 8 à 2. Et là déjà, on donne. Et on voit sa dernière. Et maintenant, ils vont se retrouver deux boules à quatre. Et c'est repris. Al-Mallory. Il va falloir essayer de venir se mettre avec la boule. Pour nos 32e de finale de ce championnat de France de bête mixte, la formation de la manche de Sonia Gout et Franck Alix, pas couvert. Vous allez voir le public mettre les capuches, les parapluies ou même quitter les tribunes. Parce que c'est vrai que les conditions là deviennent vraiment pas sympathiques du tout. S'il y a un énorme orage, hein, on sera d'abord contraint de stopper la compétition et bien évidemment la retransmission pour protéger tout le matériel. Alors, mais il n'a pas gagné, mais bon, elles sont devant quand même ces boules-là. Mais il reste trois boules à Sony pour essayer de scorer. Alors, il y a encore de la place hein, entre les boules. Il y a du passage entre les deux boules, les deux dernières jouées. Voilà, c'est ce qu'il fait voir. C'est rentré. Je crois que c'est rentré. Hein.
Et ça doit faire un plus. Hein. Ah, il a émis de l'effet dans la boule. Il a vu arriver. Celui-là, il a joué à l'écart. Mais il y en a trois. 11 à 2. Et on attaque la septième main. Là, ça va commencer à un peu à se compliquer hein, pour Brandon et Mallory. Parce que 11 à 2, Mouna laisse pas trop de place à son adversaire. Et puis, Brandon bah, fait quasiment une sur deux. Donc, ça commence à être compliqué. Ah, c'est encore bien joué, hein, parce que comme tu disais depuis ce matin, Clément, le terrain descend de ce côté-là. Là, ils ont joué long. Bon, c'est normal, hein. C'est le 11, donc ils ne vont pas les jouer. Ils vont pas les jouer proches pour prendre des carreaux. Tout intérêt d'aller jouer long. Donc il fallait bien engager. Elle est pas mal. Elle est pas mal du tout celle-ci. Donc Mallory, il faut prendre la petite place qui reste. Ah, c'est passé. Oh, un tour de trop. Ouais. Elle est venue se coucher juste derrière, c'est le pire. Voilà, bah les vestes et les caouets sont mis pour les joueurs lyonnais là. Vous les voyez maintenant vêtus de bleu eux aussi, tout en bleu. Elle est bien jouée celle-ci. Je ne sais pas si c'est gagné, j'ai pas l'impression, parce que les bleus ne bougent pas. Enfin, ils sont tous en bleu maintenant. Mais les. L'équipe de Mouna ne bouge pas, donc je pense pas que ça soit gagné. Alors il faudra étirer là. On va essayer d'étirer la boule pour faire jouer. Si ce n'est pas gagné. Ah si c'est gagné. Bien tapé, elle est passée seule. C'est une voiture qui gêne avec une Toyota, s'il vous plaît, Toyota noire, immatriculée, ou grise quoi, immatriculée GD624RN. C'est au niveau du parking des joueurs, s'il vous plaît. Voilà, elle gêne vraiment la sortie du parking, merci de la déplacer. C'est trop court. Allez, trois boules dans les mains de Brandon. C'est parfait. Allez, il faut bien lever le bras.
que celle-ci est juste... Il est derrière, Sonny. Ah, c'était pas mal, hein. Il manque pas grand chose. C'est pas repris. Brandon, encore deux boules pour essayer de faire avancer son équipe. Je pense que sur la gauche, là, il a un peu de place encore pour aller le gagner. Allez, ben ça fera un point de plus pour les Pays de la Loire qui passent à 3. La formation de Hautement, Michael Ollard et Magali Ollard. Allez, venez récupérer vos fiches de jeu, s'il vous plaît, délégués de la Vienne et de Hautement. On a joué court. Ah,
Allez, donc la formation de la Haute-Marne, s'il vous plaît. Bien joué, Mouna. Elle a pris un peu de marge pour passer à droite. Allez, il faut absolument le reprendre. On va essayer de rester dans cette partie, c'est important de. Il ne faut plus perdre de boules. Voilà, tout simplement. Si on veut revenir. Tout simplement, si on veut revenir. Ça suffit. Il n'a pas fait de mal, mais il fait rejouer, c'est le principal. Bon, je pense qu'il faut y aller là. Brandon, il faut aller tirer cette boule. On en défend deux côtés de la Mayenne. Maintenant, je pense qu'il faut y aller. C'est pas droit. Si on prend l'option d'aller au but, il faut y aller maintenant parce que si alors il joue, après il n'en restera qu'une. Donc si je choisis cette option, Brandon avec sa collègue, il va falloir y aller de suite. Parce qu'en face, il y a encore ce qu'il faut. En boule. Délégué de la Haute-Marne pour votre 32e de finale, la Haute-Marne de Magali Rollat et Michael Rollat. Ouais, on va devoir certainement s'arrêter. Alors, on a choisi d'aller pointer, donc maintenant on ne peut plus tirer au but. Hein. C'est terminé. Donc désolé, on est obligé de ranger les cams. Ils vont peut-être essayer de vous en tourner une, voilà, pour qu'on puisse terminer la partie. Ça faisait déjà quelques temps que ça nous menaçait. Allez, Sony va aller frapper la boule. Mais c'est une formation qualifiée donc pour les 16e de faire tomber l'avant-dernière des Pyrénées Atlantiques de à son adversaire. Voilà. C'est poussé. Bacabara et Philippe Maestri. Voilà, nous les retrouverons en 16e de finale, pas couvert. Ah,
Alors, on est en train de commencer à tout protéger, là, les cams, toute la sonorisation. Ah, c'est bien joué, c'est très très bien joué. Cécile est du bon côté, elle est face à la boule de l'adversaire. Donc avec l'autorisation du corps arbitrage, je vous informe que les joueurs peuvent être non homogènes, bien sûr, durant juste le moment de pluie. Voilà, il n'y aura pas de sanction au niveau des vêtements. Allez, la dernière, on va faire tomber la dernière à Brandon. Nouvelle formation qualifiée donc pour les 16e de finale, la formation de la Moselle de Camille, Max et Frédéric Mochnik. Pas couvert. Allez, Mouna, là, deux boules pour faire marquer son équipe et éventuellement la faire gagner. Il faut déjà commencer par taper celle-ci. Voilà, déjà, elle fait marquer son équipe. Nouvelle formation donc qualifiée pour les 16e de finale. La formation de la Dordogne, représenté par Lily Payet et Nathan Binderstein. Pas d'adversaire. Et voilà. Et bien, fin de cette partie. Victoire de Mouna et Sony qui rejoignent les 16e de finale. Et puis, fin de cette compétition pour notre sympathique équipe des Pays de la Loire.